Wow. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir ici Foils, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent jour férié en ce 11 novembre qui célèbre bien évidemment l'armistice et mais aussi bonne année, puisqu'on a que ça se dire, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on devait faire, on devait inverser le planning, rappelez-vous, parce qu'il y avait la mise à jour de Gotham Knight. La mise à jour, assurez-vous, la mise à jour c'est bien faite. Sauf que je me suis dit, j'ai réfléchi, continuons Assassin's Creed. Continuons, maintenons la mouvance du planning. Exceptionnellement, on avait fait Assassin's Creed à la place de Gotham Knight. Bah, c'est pas grave, ce week-end, on fera peut-être un stream sauvage sur Gotham Knight ou on fera peut-être pas de stream sauvage, ça dépendra. Ça dépendra vraiment du moment, ça dépendra vraiment de l'envie du moment. Mais je me suis dit, Assassin's Creed, on avance bien, on avance relativement bien. Quitte à continuer sur cette dynamique pour pouvoir aller jusqu'au bout, puisqu'on y est, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Donc du coup, on maintient le planning tel quel et on va continuer ce soir Assassin's Creed Revelation. Et c'est parti. Évidemment, le Ubi Launcher... Et c'est parti! Le jeu! Come on! Inspiré d'événements des personnages historiques réels! Ah oui! Ah oui, Ceci est réel, hein. C'est un personnage historique réel, Ceci! Oh, le petit tacle! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas taclé Ceci! Oh, la boutade, au nom de la boutade. Petite boutade, parlez à votre apprenti. Lequel d'apprenti? On a un Dante à soudoyer, donc allons soudoyer le Dante. Alors là, je suis sans voix. Hop là. On a Dante à soudoyer. Déjà, on commence. On soudoie Dante. Voilà, déjà, ça commence bien. Voilà. Ça commence. Putain, là, le jeu commence bien, décidément. On vient à peine d'arriver qu'il faut déjà qu'on file de l'argent à Dante. Incroyable. Les lois du divan, pardon. Mais quelle est cette loi ? Nous oblige à poser notre fiac dans le divan, c'est ça? J'aimerais savoir quel est l'objet exact de cette loi. La loi du divan. Alors c'est peut-être la loi du divin, mais la loi du divan... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont aller à la Lyon e-sport? Comment oses-tu menacer un garde byzantin? Hop là. Pardon. Si tu respectes la vie et la liberté, rejoins notre cause. Combat pour restaurer la paix en ces temps difficiles. Tu m'as convaincu, Effendi. Oh, j'étais convaincu. Je combattrai à vos côtés. Là. Venez donc vous refaire une petite santé.
J'ai bugué sur son nom de famille. La semaine a été bonne. Dis tiens. C'est presque bizarre. C'est presque turbo bizarre. Alors. Leila te cache. Où te caches-tu, pardon. Ah, c'était nul. J'ai bugué sur son nom, je dis, oh, te cache. Où te caches-tu? Est-ce qu'on a des bonnes quêtes là? Madrid. Ah oui, reconquérir la ville. La Tunis. Il faut aller reconquérir la ville. Là, j'ai envie d'envoyer des jeunes loups là. Envoyer le super maître. Ouais, elle va bientôt. Elle va bientôt passer super maître. Donc ça va être cool. Vous, est-ce que je peux. Toi, tu vas bientôt passer 11. Putain, vous avez tous passé 11 en fait. On va vous envoyer là-bas. Il me faudrait une mission, une grosse mission là comme ça. Là. Tripoli, est-ce qu'on a des grosses missions là? Et des grosses étoiles. Parce que là, 150 d'XP, c'est pas beaucoup, hein. C'est un peu nul. Hein. Trouver une top. Ah ouais, mais non. Showtime, showtime. Ah ouais, d'accord. Bon bah on va les envoyer. Marseille, qu'est-ce qu'il faut faire? Restaurons la ville. Nous avons quoi d'autre? Jérusalem. Restaurons la ville. Ouais, c'est bien comme ça. On gagne de l'XP. Gêne. Pour pas te gêner. Oh, restaurons la ville. Oh là là, incroyable. Et on gagne de la moula. Et comme ça, on gagne de l'XP aussi. Ça, c'est cool. On a encore un dente à les soudoyer, putain. Il faut toujours les soudoyer, les dentes. Tiens, un dente. Voilà, comme ça. Tu te tais. On te soudoie. On t'a soudoyé. Alors là, on a un livre et on a un point d'observation ici. Nous avons un point d'observation là-bas. On a bien avancé, hein. Et là, on a un recruté assassin encore. On va faire le livre. On va faire le boc. Et après, on va faire le point d'observation. On va faire ça. On avance bien. On avance magnifiquement bien. Je suis assez content de l'avancée dans le jeu. Plutôt cool. Plus agréable, hein, le gameplay à partir de Brotherhood, Brotherhood Révélation. C'est vachement agréable, le gameplay est vachement agréable. Mais là vraiment, avec à partir du 2 déjà, on sent une évolution au niveau du gameplay. Puis Brotherhood apporte des petites features vachement intéressantes et révélations en apportent encore plus, consolide les fondations apportées par, enfin les nouveautés apportées par Brotherhood, ça consolide ces fondations là qui fait que voilà, et puis on rajoute un petit peu, rajoute encore des nouveautés par dessus, révélations et tout bonnement extraordinaire.
Alors, j'allais dire, ce sera pas là. Putain, mais merde, le jeu, merde, quoi, voilà. Arrête de me faire mentir à chaque fois. Putain, c'est turbo casse-couille. Oh là 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 là. Le jeu me fait mentir à chaque fois. Voilà, hop là, des fragments d'animus. Faudra qu'on fasse un petit peu le... les phases avec Deathmond. Mais je les trouve un petit peu nuls. Un peu... c'est un peu ma haie sur 20. Un joueuse de flûte. Ah, elle fait... bip, 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 bip. Elle joue de la flûte. La joueuse de flûte. Alors là, normalement, au niveau de l'influence des Templiers, on est bon. Voilà, puisqu'on a libéré la zone. Et on a un Dante à soudoyer. Bah tiens, 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 comme par hasard. Et c'est vrai qu'on a le point d'observation à aller... J'adore, j'adore comme je soigne mon arrivée. Normal, une bonne arrivée sublime. Voilà, rénovons la boutique. On s'en fout des thugs. Rénovons toutes ces boutiques. On a de la moula. Je soigne tous les malades et tous les blessés. On a putain de moula. C'est un truc de fou. Entre les missions des assassins plus les missions qu'on réussit. C'est juste extra quoi. Là franchement, on se fait de la tunasse. On se fait une tunasse de malade. Extraordinaire. Voilà, on va aller ici. On pourra aussi rénover quelques petites boutiques au passage. Histoire de... histoire bah déjà de gagner un peu plus de moula, mais surtout de se stuffer bien comme il se doit. Là, tuez-le. Pardon ? Qui parle ? Pardon ? Bref, il faut toujours que je me retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi le bordel ? Ah, il doit peut-être y avoir un truc citoyen. C'est la mode qui nous suit. Et oui, c'est la mode. Sac moyen parachute. Ah, parce que j'ai plus de parachute, ok. Sac moyen de remède, carquois. Oui. Fourreau. Ouais, bon, on va tout prendre, hein. On va tout prendre, hein, puisqu'on y est. Voilà. Et j'ai plus de moula. J'ai plus de sous. Argent algérien. Oh, il est joli. Après, j'ai plus de sous. Vert de janissaire, ouais, rouge byzantin. Ah, blanc de massiaf, ouais, c'est la classe quoi. Le blanc de massiaf est extraordinaire. Merde, j'ai plus un rond. Je me plaignais que j'avais trop d'argent, maintenant j'en ai plus. Ah, j'ai plus de moula. Et j'ai plus de parachute non plus, faudrait que du coup je rachète des parachutes. Je me rappelais plus qu'il fallait acheter des parachutes. Oh la vache. Ça, je me disais, mais c'est bizarre, je saute, mais YOLO, les parachutes. C'est vrai qu'il faut les acheter. Non, je peux pas passer entre les arbres. Bon, bah ça, c'est un petit peu dommage. Allez, grimpons cette belle bâtisse. Ah putain, la tour est là-bas. Oh mais quel con. Oh là là. Mosquée 100 hectares arétine. Allez, go 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 go. Oh nickel.
On respecte quand même les édifices religieux, mais bon, ils grimpaient dessus, c'est pas très... pas très respectueux, hein. Et c'est parti. ...21/22 points d'observation. Alors, on a quasiment terminé tous les points d'observation. Ça, c'est bien. Ça signifie quelque chose, bah, qu'on s'approche pas de la fin du jeu, parce que là on est loin de l'avoir terminé le jeu, hein, clairement, mais on est pas mal du tout. Colonne de Martiens, voilà. Donc là, il y a une entrée de tunnel et il y a un tunnel là-bas. On va aller au tunnel, on va aller. Comme ça va nous éviter de marcher. Profitons, hein. Profitons de ces entrées de tunnel. Pour tunneler. Tunnel. On va tunneler. Oh non, il y a un Dante à soudoyer. Léon envoyé par Dieu pour mettre à l'épreuve ses enfants. Écoutez son appel, tuez ses démons. Quoi? Non mais Dante, oh, ça va, oui. Eh hey, oh, Dante, s'il te plaît. Non mais quand même, c'est honteux. c'est la mosquée Fatih qu'il faut aller. Voilà la mosquée Fatih. Eh, tu vas aller laver tes péchés, moi je te le dis, hein. Attention le Dante, hein. Oh non, il y en a encore un. Mais c'est pas vrai. Attention. Il faut les arrêter au plus vite. Tiens Dante. Il doit être nouveau ici. Alors la mosquée est drôlement bien gardée, hein. Et le point d'observation, il est où? Il est là-haut. Évidemment, il est sur la mosquée, hein. Sinon, c'est pas drôle. Putain, les édifices religieux, les gars, quoi. Un peu de respect. Respectons les édifices. Dixie, le mec qui est en train de grimper littéralement sur... une tour. Peut-être un minaret, je sais pas. C'est possible. Après, c'est très joli, hein. Il n'y a pas à dire. J'allais dire qui m'a vu. J'ai entendu. Wouah! Allez, c'est parti, dernier point d'observation du jeu. Incroyable. Et on gagne des sous. Formidable. Venez, on gagne de la moula. Ah, il y a un point d'animus là. Ah, Madrid est passé sous le contrôle des assassins, parfait. J'adore cette fonction de crochet. Elle est juste extraordinaire. Et là, hop, la nuit connue. Donc nous avons une mission bouquin là. Pas très très loin. Elle est ici. Et bah allons-y. J'ai pas récupéré mes sous. Oh. Ah, c'est quoi? C'est un camp de janissaires. Donc ça va, ce sont des janissaires. Ça va, j'allais dire, si c'est des byzantins, ce sera autre chose. Ce serait un peu craignos. Mais ça va. Non, on n'a pas de Dante à soudoyer. Ça, c'est très bien. Du coup, on va pouvoir garder les... On va pouvoir garder notre moula. Je vais aller chercher ma moula d'ailleurs, on va aller récupérer l'argent là. Nous rappelons que toute collaboration avec les villes. Elle est où l'argent? Oh putain, l'argent, il est où? Oh, faut grimper, oh la flemme. Ah non, il est là. J'ai du turbo casse-couille. Allez, donnez-moi mon argent, ma moula.
Alors on va mettre de l'armure. Et ce qu'on va faire, défense méditerranéenne, ah oui, on a Madrid, et eh oui, Madrid, ça y est, restaurer la ville, bah, on va restaurer la ville. On va envoyer pour une petite mission là. On a des nouvelles villes là, non? Ah ouais. On a des nouvelles villes, des nouvelles villes, Rhodes. Jouer sur toutes les cartes de Rhodes en mode multijoueur pour débloquer cette ville. Alexandrie. Ah. Bon, après c'est Pili Race, on s'en fout, Pili Race. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, attaquer un marchand, c'est pas mal. Ça leur file quand même un bon lot d'XP. On va envoyer lui. Vasilina, mes fesses à deux balles. Alger, on n'a pas amélioré la ville, si on a restauré la ville. Ah mais j'ai pas d'argent, putain. Oh, mais ça coûte de l'argent. Quoi? Mais faut donner de l'argent. Quoi? Hop là, vas-y, va assassiner le magistrat, toi. Quoi? Mais putain, j'avais pas fait gaffe. Moi, je croyais que ça m'apportait de l'argent et pas donné. Oh, le scam. Je me suis fait scammer la gueule. Oh là 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 là. Oh, putain. Mais quel abruti man. Oh là 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 là. Mais quel mongol. Mais quel mongol je fais. Je suis vraiment un âne, hein. Allez, c'est parti. Grimpons cette magnifique colonne. Et comme ça, on récupère le livre. Signé symbole. A caché un livre près de l'aqueduc de Valence qui contient des indices sur la plantation d'une clé de Massiaf. Utilisez les... On va utiliser notre superbe vue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est là-bas. Et ça va être ce symbole. Évidemment. Puni s'est passé sous le contrôle des assassins. Oh, la grande classe. Et en plus, un assassin a été promu au rang de vétéran. Oh, formidable. Hop. Non, descends s'il te plaît. Voilà. Tu vas descendre et tu vas rester sur le bord comme ça. Voilà. Et là tu vas fouiller. Fouille. Encore une clé de symbole, deuxième partie. Ah mais en fait ça débloque, d'accord, les livres, ça débloque les emplacements de caisse. Ça y est, je me souviens là. Donc là on a un livre. Et là voilà, on a une quête. Un souvenir de Sophia. On va aller chercher le livre puisqu'on y est, autant qu'on y est. Tant qu'on y est, autant aller chercher le livre. Hein. Là, on a un livre là aussi. On a un livre là-bas. Allons chercher ces livres.
Parce que ces livres, justement, parlons-en. Le souci de ces livres, c'est qu'on va en avoir besoin. Quel homme excentrique. Pour justement débloquer ces fameuses clés de Masyaf. Et pour avancer dans le jeu, il va falloir avoir un certain nombre de clés de Masyaf. Parce que sinon, on est bloqué. Sinon, il va falloir le faire. Donc, avant qu'on soit bloqué et être obligé de les faire, autant le faire de suite. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, on n'en parle plus. Et on peut avancer dans le jeu. Et oui, c'est ça l'Ubisoftage, comme dirait Monsieur Plouf. C'est tout à fait ça, d'Ubisofter un jeu. Hein, c'est de mettre des espèces de collectibles. Et ces collectibles, à un moment donné, bah, il va falloir aller les récupérer pour pouvoir avancer. Comment rallonger artificiellement la durée de vie d'un jeu ? Formidable, hein. Oh non, on a Dante encore, elle est soudoyée. Oh là là, mais Dante, mais il est mordu d'argent et après on dit que c'est moi. N'oubliez pas, une ville sûre est une ville heureuse. Après on dit que c'est false. La croix à l'argent, mais là, putain, le nombre de fois où on soudoie Dante. Ouh. Oh la vache. Ça y va, hein. De toute façon, ça va faire POUM. Non, ça n'a pas fait POUM. Ça fait que Ceci est arrivé. Coucou Ceci, comment ça va? Est-ce que tu as passé un bon 11 novembre? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, impeccable. Hein. Est-ce que tu as passé un bon... Oh putain. Un bon long week-end avant que cet andouille tombe là. Tu peux lui faire ce que je voulais mais pas grave. Ah merde. Et toi? Bah, oui ça va. Oh, moi je veux rien de particulier donc ça va. Allez hop. Alors, localiser les symboles de Polo et débloquer l'emplacement du livre. Allons, débloquons l'emplacement du livre. Il n'est pas là. Il est là. Oh, incroyable. Putain, c'est fou ça. Depuis tout ce temps, il était sous nos yeux. Ah, incroyable. C'est fou, hein. C'est fou, ça comme quoi. 100% synchro. Ah, incroyable. Donc là, du coup, on a la quête du livre. Là, nous avons une mission maître assassin. Cela pareil, je pense qu'il faudra aller faire aussi une mission maître assassin à un moment donné. Pareil, là, le jeu va nous casser les couilles avec ça. Voilà le souvenir de Sophia. Le problème, c'est qu'on va y aller sur le souvenir de Sophia. Je pense que c'est la boutique de Sophia en fait. Je pense que c'est sa boutique. Et j'ai pas trop envie d'y aller encore dans sa boutique. On va plus aller là. Parce que j'aimerais faire, voilà, j'aimerais faire ce livre. Repère verrouillé. Ah oui, non mais là le repère verrouillé, oui ça c'est normal. J'ai envie de faire le livre. Comme ça, au moins, on aura fait tous les livres. Parce que si on doit... Parce que si à chaque fois, on doit faire les allers-retours, machin, patin, couffin... Autant qu'on ramène carrément tous les livres. Comme ça, ça va nous débloquer les disques de Masyaf.
les recherches de disques. Et comme ça, au moins, on sera tranquille, quoi. Autant qu'on fasse ça. Mais d'abord, d'abord en toute chose, récupérons l'argent, bien sûr. L'argent pour Dante. Quoi ? On n'a pas un sou sur le compte ! Mais quoi ? Mais quel est ce scam ? Mais c'est honteux ! Mais arrêtez de me gratter de l'argent aussi, oh les sèves ! Arrêtez de me gratter des subs ! Quoi ? On n'a pas une thunasse ! Oh là 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 ! Allez, parlons au batelier et rendons-nous à Galata. Donc, nous allons aller ici pour le livre. Allez, c'est parti. Ouais, par contre, j'ai une question. Est-ce que vous allez aller ou est-ce que vous comptez y aller est-ce que vous comptez aller au à la Lyon e-sport? Ah, perso, je vois pas trop sur l'intérêt d'y aller, mais c'est pareil, ça coûte aussi. Un assassin attend pour parler, prêt pour une séance supplémentaire d'entraînement. Oh non. Non. C'est si, c'est un non catégorique. La Lyon e-sport, c'est non. Je sais même pas ce que c'est en, à vrai dire. Bah, c'est un espèce de. C'est un espèce de. Ouais, de salon, on va dire ça. On va dire un espèce de salon. Salon, mais accès gaming en fait. Accès gaming, accès e-sport avec des compétitions, tout ça, tout ça. Tu vas pouvoir voir des compétiteurs s'affronter sur tel ou tel jeu, des trucs comme ça. Il va y avoir aussi des stands avec des animations, mais Et salut le Dante, comment ça va? Comment s'est passé ton live? Est-ce que tu as bien streamé? Tu étais sur quel jeu? On veut tout savoir, n'hésitez pas. Attention, à aller j'arrive. Voir, je me aller suis voir le Dante. Qu'il est dans le cul. Tu étais sur quel jeu? Allez, vends-nous du rêve. Fais-nous rêver, s'il te plaît. Fais-nous rêver, la commu chevelue veut savoir, elle veut tout savoir. Un jeu de mort. Et salut Doc, je sais plus si tu t'avais dit, salut. Et vu que vous êtes super loin, je pense pas que je vais aller là. Non, après c'est vrai que c'est loin, c'est Lyon quoi. Après si on n'est pas à côté de Lyon, c'est vrai que c'est un petit peu merdique.